Aujourd'hui, une nouvelle recherche pour Stéphanie Biss, l'agent immobilier le plus coté du moment. Il va aider un jeune couple de Rome à trouver un nouveau logement. C'est devant leur mobile home que Stéphane va les rencontrer. Bonjour! Ah Stéphane, parce que... Ouais, parce que... Alors, vous voulez changer de logement? C'est trop cher. Hein. Vous agrandissez la famille? Ah, c'est commun chez vous, hein? Bah, expulsion. Ah, expulsion, carrément. Ah oui, c'est vrai que c'est la tendance, hein. Bon, écoutez, vous inquiétez pas, on va chercher, on va trouver, on va vous reloger sans aucun problème. Votre budget, c'est combien? Zéro. J'ai pas compris. Zéro. Ah, rien? Ouais. Ah, zéro. Zéro. Un budget zéro, par les temps qui courent, on va pas trouver grand chose, hein? Zéro. Bon, je regarde quand même. Ah, si, j'ai quelque chose. On va trouver, je vous l'avais dit. Allez, vous êtes content? Ouais. Allez, suivez-moi, on y va. Oh! Elle est belle, Petrou, hein? Ah non, mais ça, c'est pas la maison, hein? Ça, c'est une voiture. Ouais. Vroom, vroom. Ouais, voiture. Pare-brise. Oui, pare, exactement. C'est un... Non, en cas, s'il vous plaît, non. Non, mais en plus, j'ai pas de monnaie. Non, mais c'est gentil. 4 sièges en cuir, hein, rabattable. Un petit réchaud, puis ça ferait la baraque, hein. Coquin, je vois venir. Allez, on monte. Stéphane et le jeune couple partent aussitôt découvrir la première proposition. Voilà. Très aéré. Aucun vis-à-vis. Autour de 9 hectares de terrain. Et là, on peut même imaginer un petit bar américain. Pas mûl. Froid. Mûl. Non, par animaux. Aïe, 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 le jeune couple ne semble pas emballé par la proposition de Stéphane. Je crois que Petrou et Anka n'ont pas vraiment vu le réel potentiel de cette offre. Hein. Pourtant, il y avait une très très belle isolation en fougère et à ce prix-là, c'est quasiment introuvable. C'est la première offre, je pense qu'ils ont une demande très précise, on va pas se décourager, on va trouver. Allez. Tout au long de la journée, Stéphane multiplie les offres, toujours pas au goût de Petrou et Anka. Dis donc, la petite famille Petrou, là, va peut-être falloir penser à se décider, hein, parce que sinon... Hein? Ça va être PNC aux portes, vérification des portes opposées, armement des toboggans et tout le bordel, hein. Eh oui, c'est pour ça. Allez, on continue. Alors, c'est pas beau ça, c'est pas somptueux? 80 mètres carrés de salon, poutre apparente, à l'étage, 5 chambres, une véranda de 48 mètres carrés, 2 salles de bain, 2 toilettes, un grand jardin. Non, je plaisante. Ici, on est chez moi. Je vais juste pisser un coup et on repart tout de suite. Fin de journée, pont du kilomètre 20 sur la Nationale 12, Stéphane joue sa carte maîtresse. Et le petit plus, le toboggan pour les enfants, et ils peuvent apprendre les couleurs avec le jeu des voitures. Regardez, gris, Petrou, si tu trouves t'as gagné, celle-là c'est bleu. Ouais, Petrou, oui. Petrou et Anka sont conquis. Stéphane a réussi son pari en leur trouvant un nouveau logement. Oh là là, je suis tellement content. On devait les aider et on a réussi. Ok, c'est bon, là, c'est coupé. Bon, c'est bon, on peut y aller, ils sont où les Roms, là? Juste en bas, là. Juste en bas. Ok, on fait quoi la semaine prochaine? Michel? J'entends pas.